C'est Billy Joe. C'est Billy Joe. Ah, là, c'est mieux, putain de merde. Pute. Je t'avais dit que t'étais un homme mort, Gustave Mouloud. Il est mort, là, non? Bien sûr, il est mort. Hey, ça va ou quoi, Gomoé? Monsieur, vous allez bien? Ouais, ça va, tranquillement. Ouais. Vous attendez le train comme moi? Monsieur, vous me dites quelque chose. Comment ça, je vous dis quelque chose? Comment vous formulez ça, monsieur? Excusez-moi. Je sais pas du tout. Oh ah, ben. Mais attendez. Mais. Mais. Billy? Oui, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais Billy, mais t'as pété ton crâne ou quoi, Billy? Je gère le rentier. Qu'est-ce qu'il y a, du coup? Charlie, comment ça, Charlie? Désolé, qu'est-ce qui se passe? Les gars, j'aimerais bien vous parler un peu en mode chinois là. Je suis fan de vous et je vous aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah bah merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir, regarde. Merci je regarde beaucoup, vos histoires tous les jours. Ah, c'est vrai que Khaled Zekel il commence à faire fureur dans l'Ouest là. J'ai l'impression là. C'est vrai. Ça fait extrêmement plaisir. Non, ça fait 3 lives. Ah, bah voilà. Dis-moi si tu voudrais faire un don pour le live, si tu voudrais $50, c'est moi là qui dédemande. Écoute-moi bien, c'est la pauvreté pour tout le monde ici, ok? Ah bon? Bah, c'est pour ça qu'on est sur un serveur gratuit, donc, bah oui. Exactement. Salut Marshall, vous allez bien? Je suis pas Marshall, monsieur. Ah, salut shérif, ça va, vous allez bien? Je suis pas shérif non plus, monsieur. Salut chasseur de prix, vous allez bien? Je suis pas chasseur de prix, monsieur. Putain, mais t'es qui alors, toi? Oncle Abbès. Moi, je suis un simple citoyen. Simple citoyen, mais putain, mais t'es doré de la tête aux pieds, t'as trouvé un filon d'or ou quoi, gamin? Je suis assez riche, oui, mais. Oh, bah, donne-moi un petit billet, s'il te plaît, vas-y. Allez, donne-nous un petit billet, monsieur. T'as pas vu notre dégaine de clochard là? Vous êtes très bien habillé vous aussi hein. Chacun ses goûts et ses couleurs. Clairement pas, il est habillé en taupe, là où je suis pas cool. Ouais, je suis en mode goutte. En fils de taupe là. Non, je suis un fils de goutte. Attends, mais Emily. Quoi? Oui, mais tu t'es fait enculer par un élan, comment ça se passe? The Kid. Quoi? Hannes The Kid. Ouais. Dis-moi, ça te dirait un petit combat? Un petit combat? Un petit combat. Ok, ouais, mais... c'est parti, elle. Ouais, va te baiser. Ouais, mais là, tu connais pas. Ça fait longtemps qu'il n'a pas étranglé. Il a pas étranglé, ça fait longtemps. Ah, ça fait un jour là que j'ai pas entendu. Attends, aide-moi, je vais. Et toi aussi, t'en veux, toi? Non, c'est bon, c'est bon. Je t'ai relâché. Remets. Comment tu fais ça? Tu fais comme ça et après. Arrête tes conneries là. Putain. Toi, il te faut un bandana ou la haja. Pas qu'on te reconnaisse. Regarde, j'ai un plan. Attends, on va faire quoi là? On va soulever des gens. On va soulever des mères. Bah ouais, mais t'es une merde toi. T'as quoi toi sur toi là? Attends, je vais te montrer. J'ai mon 6 coups. J'ai mon coton. Et j'ai mon lasso. Attends, j'ai un fusil léger aussi, putain de merde. Ah ouais, bah j'en ai passé un. Attends, je peux le tester sur toi, quoi. Hein? Non, après je vais attendre 300 secondes. Par contre. Allez, vas-y, monte, gamin. Par contre, faut bien viser la tête, hein. Ouais. D'accord. Attends, mais pourquoi on va saouler des gens, là? Bah, comme ça, ils ont de l'argent et tout. Ouais, mais c'est qui t'a donné l'info? C'est Moha. Ah oui, c'est fameux Moha. Oui. Ouais. Vas-y, va voir Madilo. Ok. Je sais pas qu'on a les seringues tout ça, là, les bouteilles d'opium. Si on peut aller. Ouais. Mais si on se fait cramer. Vas-y, viens, on y va. Viens, on essaie d'y aller si tu veux. Mais ouais, mais il est où ton cheval? T'inquiète, il peut être à Valentine. Ah ouais, bah vas-y alors, bah c'est par où qu'on va vendre là? Nous, on doit aller à Valentine pour vendre. Attends, faut que j'enlève ça alors, moi. Ça, c'est ma tenue pour. C'est ma tenue. Tiens-moi, j'ai enlevé mon bandana. Putain, merde. Pour ça, je vais ouvrir une mosquée, c'est moi l'élu. On t'a volé, Royan. Putain, t'es pas mort, toi? Royan, je suis l'élu. T'es pas mort? Ah là, la puissance. Sérieux? T'es pas mort? Voilà que je suis pas mort. Mais t'as tué le cheval, hein. Mon cheval, il est mort. Je te vois. Aide-moi, soulève-moi. Appelle ton cheval et tu me fous dedans. Jockey de merde. Tout de merde. Mon cheval, c'est pour faire des go fast. Voilà, il y a au moins 80 seringues dedans. Allez, viens, on y va. Voilà. Vas-y, on va aller au Bénis. Je te prends avec moi. Au moins, on va marcher, hein. Wesh. Billy. Ton corps, il avance là. Bah, ouais, je sais qu'il avance, putain. Ouais, bah, attends, on va y aller, on va essayer d'y aller. Attends. Ouais, mon petit monsieur, comment allez-vous? Comment on se retrouve? Oh putain, mais c'est qui? vous m'avez étranglé tout à l'heure, vous vous rappelez même pas de moi, quoi. Eh, tu gères, merci pour le cheval, t'es un bon. Ah, de rien. T'es une jument, c'est un mâle, c'est beau. C'est un mâle. T'as des grosses couilles. Bon, j'attends Billy, ça va ou quoi? Ça va, et toi?
Ah, et c'est quoi votre nom déjà? Moi c'est Conrad Woods, vous? Connard, j'aime bien son nom. Ouais, c'est vrai, hein. C'est beau. Bah moi c'est Rennes, Rennes Equid, voyons. Ah, monsieur Connard, hein, s'il vous plaît, restez respectueux. Ouais. Hein. Salut, madame. Ouais, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille. C'est un familiste du Far West. Ouais, ouais, tu t'appelles comment? Je m'appelle Billy. Un familiste du Far West, ouais, un balas du Far West, voilà. Ouais, je m'appelle Rennes, Rennes Equid, enchanté, gamin. Ok, mais moi c'est Billy l'escroc. Billy l'escroc? Ouais. T'entrais avec moi, gamin. Tu le vois là? Allez, bonne journée. Bah ouais, je le vois. Allez, salut, Billy l'escroc. Faut que j'aille m'acheter une charrette, moi. Bah vas-y, on y va, là. Bon, tu deviens quoi, toi? Bah écoute, hier j'ai baisé de nana. Ah ouais? Bah ouais, la routine, quoi. Ils ont aimé? Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Après, je pourrais pas te dire, vu que je les ai baïonnés, quoi. Ah, mais ils crient ou quoi? Je sais pas, elles étaient baïonnées, réfléchis un peu. Bah moi, comme tu sais, je me suis un peu tricoté, hein. Ah, tu t'es tripoté? Ouais, tricoté, ouais, hein, c'est des deux sens. Ouais, ouais, tu t'es tripoté, ouais. De belles hanches, hein, quand même. Quoi, bon, mais doucement, René, s'il te plaît. Mais je tiens à te rappeler que Billy, hier soir, il a mangé du porc. Comment ça, il a mangé du porc? Eh ben, malheureusement, on a pris le train avec Gustave et Billy, on était trois pour le train. Et bon, Mouloud a fini en zonzon. Parce qu'il il est passé dans un wagon. Tu me balances des blagues, j'aime pas qui c'est. C'est qui Mouloud encore? Ah, Gustave, pardon. Ah, quoi? Attends, Gustave, c'est Mouloud? Je sais pas. Oh, j'ai bien fait de l'étrangler, cet enculé. Bon, c'est ici. Attends, attends. Oh, aïe. Mais bro, il se mettait vraiment le dernier des comptes. Howdy, howdy, cowboy. Mais il est trop mignon, je peux l'essayer ou pas? Merci. Alors, je voudrais savoir, parce que ouais, c'était ici pour vendre des charrettes. C'est vrai? Oui, mais allez directement dans le curé et prenez la charrette de l'homme. J'ai acheté le même, et pas le monter dessus. Ouais, il faut attendre qu'il ait 5 ans. Je l'avais acheté 1$. Celui-ci? Ouais, dans un vide-grenier. Ah ouais. Oula, ouais, je parlais pas de toi, dis donc. Ouais, si. entre nous, t'as fait ça pour baiser de la meuf, on est d'accord? On a rien à foutre des jours. Non, ça va, j'ai ça la va, mienne. Ça va, ouais. Entre nous, cowboy, c'est bon. Mais c'est vrai qu'on a des chouettes collègues. Eh ouais, j'ai vu comment tu l'as regardé. Oh. Elle s'appelle comment? Laquelle, celle qui est venue en courant? Ouais. Oh, le salaud. Ouais, c'est une sacrée salope, celle-là. Ouais, j'ai besoin de toi. Ouais, dis-moi. Il faudrait que tu me donnes un petit peu d'argent. Ouais, si t'as besoin... voilà, c'est ce que j'allais dire. Si t'as besoin d'argent, compte pas sur moi. Oh non. Wesh! 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 Oh, presse! Ah! Roya! Ma calvitie, C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Roya, il y a un puma qui est sorti, il m'a niqué ma race. Ah bah alors? Oh bah, si t'arrives, tout. Ouais, Bruce, putain, un cougar, il est venu, il m'a baisé. Ah oui, t'as baisé? Attends, je te lâche. Bruce, fils de pute. Fils de pute, moi. Bruce, fils de pute, tu vas te tromper. C'est à cause de toi, le cougar. Hein? Et puis tout à l'heure, il m'aide en plus, c'est miskin. À chaque fois, je fais le hagra, moi aussi, je le tue. T'es mon sac à merde. Ils se font attaquer sur leur Discord, ça fait ça. Mais non, wesh. Je vais te baiser tous les soirs pendant une semaine. Ah, putain de merde. Je vais décharger mon 6 coups dans ton petit cul. Vous êtes sur la messagerie de Kader. Kader. Tu fais mal, regarde bien. Regarde. Je me lève. Wesh, mon cheval asthmatique. Hey, Billy! Putain! Ouais, putain! Heureux, ça va, les gars? Putain, on s'est enfin retrouvé, bordel de merde! C'est incroyable! 1000 ans pour se retrouver! Alors, Samy, ouais. Je te présente Canez. Canez, salut! Enchanté, Canez. Salut! Ça va? Ouais, okay. Attends, mais t'as tué. Holster, mais pas de revolver, tu te fous de ma gueule, gamin? Moi, j'ai un lasso, moi, je chope que au lasso! Ah, bien! J'ai peur du sang! On va soulever qui? On fait quoi? On voit quoi? On voit qui? Ça fait 2 heures normalement, on était censé aller braquer des gens, mais. Ouais, mais non, mais on va déjà aller voir ce qu'on a dit en stock, là! Vous avez quoi en stock? Voilà, Billy, vas-y, fais-moi rêver! 80 seringues! Quoi? 80 seringues, bah faut les vendre à Valentine, ça, non? Eh bah, let's go alors, qu'est-ce qu'on attend, putain? Ouais, bah, bon courage pour trouver des acheteurs, c'est ça le problème, c'est que vu qu'il y a tellement de problèmes là, c'est qu'il y a pas d'acheteurs. Bah oui! La demande elle est trop forte, disons. Donc là, on a vraiment une vie de merde. Ouais, là, c'est pour ça que j'ai proposé de taper des gens. Parce que ça fait depuis tout à l'heure, là, ça nous casse les couilles à. Attends, mais tu veux te taper des gens avec un lasso, toi? Mais bah, pourquoi? Pourquoi ça marcherait pas puisque je l'ai déjà fait? Ah ouais? Bah vas-y, tu vas ouais, le trésor. Moi, je voulais aller à Armadio ou Tumbleweed parce qu'il y a un groupe là-bas. Et bah, vas-y, on y va. Si on est plusieurs, attends, on va pas y aller comme ça. Ah bah, bon savoir. Bah, justement. Ah ouais. Si on y va, ce qu'on fait, c'est que il y a plusieurs personnes qui. T'as un flingue, toi, non? Ouais, t'as un flingue. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un flingue, mais j'ai pas de munitions. Toi, bah, tu me passeras ton flingue, je te mettrai les nuls dedans. Hop là!
on va là-bas, il y a deux mecs qui la sautent s'ils sont 2-3 et deux autres qui pointent leur flingue. Et ça suffira largement pour les dépouiller. Ils sont combien? Ça dépend, justement, il faut faire du repérage. Parce que moi, j'en ai déjà dépouillé qui avaient des 3 000 $ sur eux et des flingues en or. Ah oui, je t'avais dit quoi? Ah non, c'est le matin plutôt, mais faudrait qu'on aille se préparer. On fouille des tombes et on va les revendre au salaire. On va faire ça, ça rapporte combien cette merde là? Ça rapporte 50 $ par nuit. Quoi? Allez, c'est parti, 50 $ c'est vraiment pas mal. Bah, je commence à avoir chaud moi avec mon gros. Mon camis il manque. C'est vrai, le personnage de presse. J'ai pour but de m'acheter une charrette. Quoi faire? Un magasin ambulant. Ah ouais, Hanout hein. Allez, hashtag balance ton cowboy. Y'a des chevaux là! J'en ai marre! Aïe! Tire-le, cours. Voilà, on va être busy. Allez, on y va. Je peux pas les prendre. Voilà, je prends un cheval. Vas-y, venez. Allez, c'est parti, cowboy. C'est décidé, je vais demander ma vie au soleil. Hein? Ah, Bruce, tu vas mourir aujourd'hui. Attends, je vais tirer dans les pattes, fils de pute. Allez, tire-lui dans les pattes. Bourrine le lait. Voilà. Bonjour, Moussaillon. Comment allez-vous, messieurs? Ah, bonjour. Vous avez entendu tirer ou pas, les gars? Ouais, j'ai entendu, ouais. Ici, non. Ah, d'accord. Ça fout quoi ici, là? Qu'est-ce que vous faites, là? Hein? On essaie de faire de l'or, hein? De l'or? Bah, bon courage, d'accord. Alors, bon courage, putain de merde. Très ouais, bien, merci. Allez. Au revoir. Gracias. Ouais, ça toi aussi. C'est de la merde, l'or. Allez, ta gueule. T'as vu, il était pauvre, putain de merde. Ouais, il servait à rien. Rien à branler, moi, je passe comme ça. Rentrez pas les oh, aïe! Voilà. Bon ben moi je vais me rhabiller en... avec bonjour ma truc. Monsieur. Hein. Hey, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me prendre une pièce d'identité? Vous savez que le galop est interdit en ville. Ah, je suis désolé monsieur, on est pas désolé monsieur, vraiment désolé, on était pas au courant. On est pas je me change mes armes. Dans toutes les villes, monsieur, le galop est interdit. Ah bon, c'est pas Berry, Valentine, Blackwater, Saint-Denis, Rome. Je l'avais dit, Billy, putain de merde, tu m'écoutes jamais, enfoiré. Et les armes également, interdits en ville si vous voulez les ranger. Ouais, d'accord monsieur, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Merci à vous, faites attention à la merde. Ah, mais c'est rien, j'arrive avec le bureau des plaisirs, mon héros. Merci à vous, passez une bonne journée. Tu viens d'où, Canez? De la France. La quoi? Bah, de la France, d'Europe, putain de merde, l'Europe. L'Europe? Ouais. C'est de l'autre côté du monde, ça. Eh ouais, ça fait 10 ans qu'on a construit la Tour Eiffel, tu sais c'est quoi la Tour Eiffel? Non. Elle est grande comme ma bite, dure comme fer. Et mon chapeau ou pas? Oh putain, il est super beau. Hey. C'est mon chapeau, fils de pute. Putain, t'as pas de cheveux, Canez. Hop là, c'est pas que j'ai pas de cheveux, c'est ils sont timides, c'est tout. Et où le cimetière, là? Là, le cimetière. Mais il fait jour, les gars. Hein. Et vous savez que je crois que c'est interdit, c'est pas très... Et alors, on s'en bat les couilles. Dans les règles. Ouais, moi, je déterre les morts, même le jour, mec, je m'en bats les couilles. Ah bah, tu pourras pas, Eh bah, tu vas voir. Passe-moi un peu de dynamite, tu vois, je vais tout faire péter moi. Je vais les retuer deux fois ces fils de pute. Dynamite. Oh, alors les morts, rentre-moi votre grande gueule, hein. Oh putain les mecs, j'ai la dalle. Heureusement que j'ai sorti ma petite assiette là. Putain, il en a plein la moustache. Ah ouais. Eh moi j'ai de la viande. Donc c'est du porc hein. Non. C'est pas du porc. Menteur, c'est les bons, j'ai dit. Toi ta gueule, tu vas me le rappeler 35 fois ou quoi? Ta gueule. Ah ce qui paraît, t'as mangé du porc, ce qui paraît. C'est pas vrai. Ok, pas je pensais port. Que t'avais mangé la darole à Bruce, c'est pour ça. Ouais. Non, je l'ai pas encore mangé, cette vieille salope, cette vieille catin. Un Bruce, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te mettre une balle dans la tête, gars. Vas-y, étrangle-le. Mettre une balle dans la tête, fille. Étrangle-le. Oh, il va faire bientôt lui ou pas, là? Ferme ta bouche, putain. Ferme ta bouche, Billy. Oh, tu me casses les couilles, toi. Non, pas ça. Fils de pute, combien de fois j'ai de fermer ta gueule, là. Très des étrangleurs. Putain. Rien comme une putain d'avant-bras, là. Fils de pute, va. Veux t'enlever le micro, fils de pute, va. Hein? On t'étrangle, non? C'est parce qu'il y avait le ventilo, bande de con. Ouais, bah t'es oublié, tu redis ouais, ton ventilo. Ouais, je te pisse dessus, t'es là, ce que je te fais, voilà. T'es là. T'es fils de pute. Je te fais la toupie, enfoiré. Voilà. T'es mort, là. Voilà, il sait bien, t'es mort en plus, on a même pas besoin de t'enterrer. Ouais, je te mets directement là, voilà. Et hop là, on va creuser pour toi, enfoiré. Bah. Petite merde, regarde là, je danse tout doucement là. Voilà. Regarde ça. Ruendengo. Regarde. Ruendengo. Fais pas le timide, Renaz. Ouais, voilà. ouais. Regarde celui-là. Oupa. Il est mort, ça parle pas, mon vieux. Oh, je te baisse et je te baisse.
Ouais, yopa, moi je te mets des coups de châssis, moi. Ouais, je te baise. Enfin, on danse avec les morts, regarde. Yop. Danser avec les morts. Eh ouais, on danse avec vous, les gars. On danse avec les morts. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire quoi, la biche? T'as été timide, la Khanes, t'es timide. Mets un petit pata, voilà. Oh, voilà. Oh. T'es mal le slide. Wouh. Voilà. Ça fink. Je viens de Lyon. Là. Voilà, où, le 69 représente le 69. Je danse comme un vieux là. Oh, allez, chape le patin. Hop. Hop là. Vas-y, Francky, c'est bon. Chape. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Alexandra, hop là. On a pas ramené la pluie là encore. Bonjour. Putain, on a pas ramené. Bonjour, monsieur. On est en train de nettoyer les tombes, gamin, t'es là. Hop. On nettoie les tombes. Un petit peu de poussière sur le côté. Hop là, y'a plus rien. Putain de merde. Ouais, t'es passé quoi là? T'arrives quoi, gamin? Merci pour ton follow, mec. Ouais. Hein? Quoi? Hein? T'as dit quoi là? Paraguine là. Vous êtes ça commence à parler de follow et tout. Bon, attends, je vais te baiser. Ouais, étrangle-le. Fais gaffe, Bruce. Fais gaffe, l'ami, fais gaffe. Fais gaffe. On est en point ou quoi, là, gars? Ah, Zama, on était proie, nous. Genre, tu nous tournes autour. Et va là-bas, toi. Petite merde. Il est tombé. Ah, ça sort les arts, bah ouais. Chacun sa tombe, les gars, on se bagarre pas. Bah, quand tu déterres, tu. On dit déjà, c'est quoi le mot déjà? Fils de pute, va. Putain, je sais plus c'est quoi le mot. Je crois que t'es à l'école. Anes, toi, t'es que. Mais c'est quoi la définition? La pro quelque chose. Ouais, profanation. Profanation, ah, là, voilà, c'est ça. Putain. J'ai failli dire la prolifération. Je l'avais au bout de la bite. Au bout de la bite, ouais. Mais t'as vraiment une petite bite alors. Hein. Les gars, il reste vraiment des tombes là, parce qu'il y a plus de croix. Hein. Eh bien sûr, mais on va les enculer, t'inquiète pas, les morts. Ah. Ça, je sais ce que c'est, ça. La nécrophilie, ça. Ah, ça, mon salaud. Mon père, il faisait ça, mon père. Ah. Ouais, avec la tête de ta grand-mère au bout de ta bite, c'est ça. Ah, il faisait ça, mon père, il faisait ça, moi. Ah. On l'a enculé avec mes frères. Ah, tu me dégoûtes, putain de merde. Ça me dégoûte. Allez, let's go, les gars. Les fils de pute, je vais tomber sur une vieille cata encore. Ouais, on croyait. Alors, heureux, franchement, on croirait vraiment qu'on t'a pour. Le frère, elle a dit allez, c'est l'air. Allez, oh putain, je suis trouvé. La pose, elle est finie. Une pointe de flèche. Oh, y'a un cheval. Les gars, y'a le shérif, je crois. Et alors? Ah non, putain, c'est pas le baisse. Mais non. Ah, c'est Mouloud. C'est qui ça? Fils de pute, t'es qui toi? Putain, j'ai vu l'heure et je me suis dit. T'es qui, putain? J'ai vu que c'est l'heure de déterrer tous vos morts. T'es Gustave. Bonjour. Ça va quoi, Gustave? Ça va et toi? Oh putain, je suis en train d'éterrer tes morts, bouge de là. Bon, t'inquiète, là c'est ma daronne qui est enterrée là. Un harmonica? Ça pue sa mère. Une vieille montre? C'est ça, équipe la toile. Je trouvais un vieux revolver cassé. C'est Billy Joe. Ouais, là c'est mieux, putain de merde. Je t'avais dit que t'étais un homme mort, Gustave Mouloud. Il est mort là, non? Bien sûr, il est mort. C'est Billy. Putain, une bague avec une chaîne, les mecs. Tiens, avec une chienne? Non. Avec une chaîne. Ah! Putain, pas une chienne, t'es sérieux? Ouais. J'aurais déjà baisé la chienne. Oh, Mouloud, ça va? Ça va, toi, mon copain? Je savais pas que tu t'appelais Gustave Mouloud, moi. Ouais, je m'appelle Gustave Mouloud Saucès. Tu viens d'où? Ouais, je viens tout droit, je sais même pas, moi non plus, je suis. Et toi? Moi, je viens de France, moi. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu fais à mon cheval? Eh, il m'a regardé de travers, c'est pour ça. Je suis désolé. Là, si tu veux, je le fais fuir comme ça, avec ton collègue, il se barre. Ouais, je vais fuir. Allez! Je veux pas qu'on aille faire un tour, toi et moi? Ah merde! Ah non, il reste encore ici. Bah, espèce d'ahmar, t'es con, quoi. Oh, bague avec une grosse chienne encore, putain. Ah c'est putain, bon ça, j'aime bien les chiennes. Oh, du whisky, les mecs. Oh, Gustave. Oui, c'est moi. Bah, c'est bon, lève-toi, gamin. Attends encore un 60 petites secondes. Ah, trame de plaisanterie, c'est bon, là, allez. Une fois, tu peux appeler un médecin. Je t'attends de pied ferme, ici, là. Vas-y. Oui, d'accord, je vais appeler un médecin et vous êtes tous en train de déterrer des morts, t'as raison. Toi, t'es pas le plus futé de la bande, toi, hein, je te dis. Non, je peux te ramener, c'est ça que je veux dire. Non, c'est bon, t'inquiète. Laisse-moi me régénérer. Ouais, surprise. Fils de pute. Non, fils de pute. Je crois que je suis une cata, hein, moi. Hein, Gustave? Ouais, il a gommé encore. Hey, il m'a encore provoqué, ce fils de pute, là. Ah, là, actuellement, j'ai besoin de soins. Ouais, tu veux compter à quoi? Tu veux que je te ramène
Le comté d'à quoi? Attends, attends, je vais te ramener. Tu peux pas m'aider à aller voir un petit docteur? Ah, mais attends, on peut pas te porter. Ah, bah bien sûr, il y a que lui qui peut me porter. Ouais, moi j'ai pas de porter. Vas-y, ça te dérange? Bah, on a pas le droit de se balader avec le cheval en ville. Justement, c'est pour ça que je vais le faire. Et j'arrive. Il respecte pas la loi, il déterre des morts, mais il a peur de se balader avec un cheval. J'ai jamais vu ça. Putain, c'est n'importe quoi, je te jure. En tout cas, je passe des super moments avec toi, hein. Toujours des 300 secondes. Eh, mais avec les meufs, je dure 300 secondes, putain. Je sais que t'aimes bien me porter, hein. Ouais, j'aime bien. Hey, Gustave, t'es là? Fils de pute, va. Croyez, c'est bon, je suis débarrassé de Mouloud. Non, bon. Je l'ai jeté dans la rivière, Amski. Du voilà. Putain, j'aurais dû venir. Il est en train de dévaler, Royal Courant, là, ok. Allez. Ouh, les copains, je vous oublierai jamais. Aïe. Oula. Oh, un éperon plaqué or. Oh, ouais, allez. Ouais, on attend juste la fin, là, 5h du mat, et on se casse. Oh. Déguisé. Mais qui est-ce? Oh, fils de pute. Mais attendez, putain. Hey Gustave, viens là, on va discuter, enfoiré, t'es mort là. Reste à terre, je t'ai dit. Vas-y, baisse-le, ce connard. Baisse-le, ce connard. Il y a trop de dessins, tu peux rien faire. Voilà. Reste à terre, je t'ai dit. Il y a trop de dessins. Wesh. Fils de pute. Voilà. Fils de pute. Voilà. Croyez-quoi, voilà une soumission. C'est trop, wesh. C'est trop. Dès qu'il fait ça, c'est fini. Alors, Mouloud. Enfoiré. Stop. Pardon, désolé. Granit, mange ça. Bute-le, Billy. Bute-le, Billy. Encule-le. Non, pas moi. Mais pas moi. Tu as un baiser. Non, attends, vraiment. Mêle-toi un peu de ce qui te mêle, toi, fils de pute. Ouais, Indiana Jones va te faire reculer. Ton lasso, prochaine fois que tu te mêles de mes affaires, je te bourre la voilà, baise-le. Voilà. Fils de pute. Voilà. Casser les couilles, ça. Comment est-ce que tu ramènes à l'hosto? Il y en a pas, tu parles pas. Je sais pas, j'ai fait confiance à tête dégarnie. Bon. Il m'a mis dans la rivière. On fait quoi, là? Bah, on va aller au vendeur. Attends, on attend juste Lazaro. Il est où, le vendeur? Oula. T'inquiète pas. Bah, tu pilotes ça bien, enfoiré. Ah ouais. Eh, tu l'as baisé là. Je pensais qu'il y avait que moi qui le voyais comme ça. Non, t'as du tout. Il était en pyjama, le fils d'up. Ouais, il est là, le vendeur, il est là. T'as fait de l'oseille. Il est où? Ah, j'ai fait 17$. J'en ai fait 40. 29$, mais... c'est tout. Ouais, mais on a pas assez fouillé. Attends, lui, il s'est fait 57$. Attends, mais je me suis disputé avec ma femme, tout ça pour 17$. Ouais, doucement. T'as gagné combien? Qui? Toi. L'autre, il a fait 110$. Attends, mais mon autre. Non. Braque-le. Il commence à me péter les couilles. Il commence à me demander combien j'ai gagné, ce fils de... C'est à cause de lui que j'ai pas beaucoup gagné. Ouais. C'est à cause de lui. Hein. Dessus. Ouais, je sais pas, c'est eux là-bas. Ils savent pas tirer, t'inquiète pas, on risque rien. Mais tu sais que c'est à cause de Mouloud, fils de pute, je l'ai tué 3 fois. C'est pour ça aussi. J'étais pas concentré dans ma tâche. Eh, hey, tu l'as acheté combien dans ta tenue là? Pas cher, hein. 2$, un truc comme ça, 4$. Voilà. Ah, je pensais que c'était un truc de riche, moi. Moi aussi, je pensais que c'était un truc de riche. Et que je suis passé à la caisse, ils m'ont dit ça, j'ai cru que c'était chez Action. Vers le commissariat, tu vois ou pas? Y'a un mec là, tu le vois ou pas? Juste la poser là. À lui, gauche, tu peux là, lui rendre. Ouais, lui, tu peux lui rendre. Ah bah vas-y, bah alors. C'est chaud, bien. C'est chaud parce qu'il y a le. Vas-y, attends. Attends, ils ont mis le mec juste à côté du commissariat là? Ouais, y'en a plein en fait, y'en a plein, mais lui, apparemment, il ramène un peu d'argent, je crois. Par contre, faites vraiment très attention, y'a beaucoup de chefs là. Y'a une chef juste à côté. Doucement, on parle doucement. Je parle doucement, moi. En vrai, faudrait faire diversion. Quelqu'un va de l'autre côté, il tire, il rafale sur quelqu'un. Je vais le faire, j'arrive. Vas-y. Ah, mais il chérit là devant. Il va tirer sur des gens. Il a un chapeau. Oula. Oh, bordel de merde, tout à l'abri là. Attends que les shérifs se partent. Attends, je vais dire que quelqu'un se fait braquer. Shérif. Ouais. Il y a quelqu'un au boulot. Qui s'est tiré dessus? Eh, dis-moi, il y a quelqu'un là au boulot. Il y a quelqu'un là au boulot. C'est le moment. Madame, y'a des tirs derrière. Vas-y. Mais non, je sais pas s'il va te la prendre. Fils de pute. Il veut pas. Fils de pute. T'es pas intéressé, il m'a dit. Y'en a un autre, viens là. Billy, il m'a dit, il est pas intéressé, ce fils de pute.